On vient d'arriver à l'instant en Île-de-France, on vient de passer la frontière avec l'Île-de-France. Ça, c'est l'Alliance Riviera à Nice. Il faut savoir qu'entre l'Alliance et le Stade de France, il y a 850 km. Entre le 18 avril et le 7 mai, ça fait 20 jours. Et 850 par 20, le compte est bon, ça fait 42 km par jour. On a fait tout ça pour organiser une collecte de fonds pour pouvoir inviter des enfants en situation de précarité à assister à un match la saison prochaine. Alors non seulement assister à un match, mais en plus ça sera un match en déplacement. Donc on va les faire prendre l'avion, on va les faire bouger un peu et les faire rêver le temps d'un week-end. On arrive tout doucement à 2000 euros, l'objectif c'est 3000 euros. Du coup, pour booster un peu tout ça, l'OGC Nice nous a offert un ballon dédicacé par tous les joueurs. Et nous, on l'a mis en jeu par tirage au sort, en fait. On était dans des gîtes, des chambres d'hôtes qui nous ont ouvert leurs portes. C'était vraiment des super moments avec ces gens-là aussi. Et c'était leur manière, en fait, de contribuer à la cause. C'était de nous héberger le temps d'une nuit et de partager un repas ensemble. On va communiquer un peu le parcours des derniers kilomètres et effectivement on va inviter les supporters qui seront aux abords du stade à venir nous rejoindre peut-être sur la dernière heure de marche. Donc on va communiquer ça, on va communiquer le trajet et effectivement ouais, ça serait sympa de finir en rouge et noir là.